Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Annie Routier. Je suis spécialiste en promotion de la santé. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se joindre à nous aujourd'hui pour l'atelier qui porte sur la gestion de la colère. J'attends toujours de voir. Je laisse encore quelques instants là, aux gens, là, s'il y a des gens qui viennent pour assister là, à la petite présentation sur la gestion de la colère. On va attendre. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont présents. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Peut-être juste me faire signe s'il y a des gens qui sont présents. Dans la section à droite, vous avez le chat qui est la section bavarder. Donc, peut-être juste m'écrire si vous m'entendez, si vous me voyez bien, si vous êtes présents. OK. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait une personne présente. Est-ce que cette personne-là m'entend bien, me voit bien? Peut-être juste me faire un signe là, dans la section chat bavardé qui est à votre droite. Peut-être juste m'écrire pour me dire oui, je vous entends bien. Donc, OK. Fait qu'on va commencer. Je pense qu'il y a une personne qui est présente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? C'est que j'aurai une petite question, un sondage, là, une question de sondage. Donc, vous allez dans la section pool ou la section sondage et vous indiquez là, quel est votre lien avec la communauté des Forces armées canadiennes. Donc, est-ce que vous êtes un membre actif, un vétéran, un membre de la famille, personnel civil? Ou autre. Donc, je vous laisse là, le temps là, d'écrire votre réponse. Donc, je ne vois pas de réponse. Je ne sais pas si si ça fonctionne. Je vais revenir au chat. Donc, simplement vous dire que si vous avez des questions lors de la présentation, vous pouvez me les adresser là, dans la section chat. Là, je vais tenter d'y répondre tout au long de la présentation. Donc, l'atelier porte sur la gestion des moments de colère. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de mieux comprendre la colère. Qu'est-ce que c'est la colère, en fait? Mieux la définir. Puis, l'objectif aussi, c'est de se donner quelques petites stratégies pour mieux gérer cette émotion-là. Donc, on va voir là, aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on a une montée de colère, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécrétion des hormones, puis comment tout ça, ça va affecter notre jugement, notre empathie, notre capacité là, à se mettre à la place de l'autre. Donc, c'est sûr que toute reproduction là, de la présentation, ben, c'est interdit. Donc, c'est sûr aussi que c'est pas approprié pour les enfants. Si jamais là, les gens nous racontent des choses, nous posent des questions, ben, c'est sûr que tout ça, ça demeure là, confidentiel. Ce séminaire-là est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur Connexion FAC. Sachez là, que ça pourra là, être revu là, si jamais vous avez des besoins. Donc, si on commence au niveau de la colère, donc c'est normal de sentir de la colère. Hein? La colère, c'est une émotion. Hein? Au même titre que la joie, la tristesse, la déception, toutes les autres émotions, en fait. Le problème, c'est que souvent, on confond la colère avec l'agressivité, alors que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Hein, on va le voir, là, souvent la colère, malheureusement, c'est ça a une image qui est un peu négative. Hein? C'est perçu comme quelque chose de négatif parce qu'on s'imagine quelqu'un là, qui se désorganise puis qui va avoir un comportement là, qui est répréhensible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la colère, c'est vraiment pas malsain. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la colère qui peut être problématique.
c'est une colère quand c'est bien géré. C'est un comportement qui est très, très positif, qui est très constructif, qui peut être très constructif. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on ressent la colère qui va déterminer le bien-être. Hein? Si ça me permet de m'exprimer, de faire valoir mon point de vue dans le respect d'autrui, d'affirmer mes besoins, bien, c'est positif. Et ça va devenir un problème quand c'est mal géré, hein? Quand on explose de colère, quand on a un comportement qui est inadéquat, quand on a une parole qui peut être blessante, bien là, ça va devenir négatif. Donc, la colère, quand ça nous permet de nous affirmer, de nous exprimer, de régler des conflits, de trouver des solutions qui sont constructives, bien, c'est un comportement qui est sain. Donc, une colère qui est bien gérée, c'est quelque chose qui est constructif. Une colère qui est mal gérée, puis qui se termine en agression verbale, hein, on dit une parole méchante, ou on crie, ou on met notre poing sur la table. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça devient négatif. Et si on refoule notre colère, bien, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire ça, mais refouler notre colère, évidemment, c'est aussi un comportement qui est négatif, parce que tout ce qu'on refoule, bien, c'est un petit peu le principe du verre d'eau. Hein, on accumule notre frustration, puis à un moment donné, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moindre petit irritant, bon, on a tellement accumulé que là, à un moment donné, bien, on explose souvent pour des banalités. Et là, on ne se comprend plus. On ne comprend pas pourquoi on réagit là, de façon si explosive. Puis les gens autour de nous non plus ne comprennent pas pourquoi on réagit. Donc, quand on accumule, là, c'est sûr que ça peut devenir très malsain. Donc, on va regarder c'est quoi la différence justement qu'il faut faire entre la colère, l'agressivité, la passivité puis l'affirmation de soi. Donc, la colère, c'est une émotion. Hein? Comme je disais, ça varie en intensité. Des fois, c'est des petites colères, c'est plus facile à gérer, c'est sûr. L'émotion est moins intense. Des fois, c'est des grosses colères. Plus la colère est grande, bien, plus ça peut être difficile de la gérer. Ça varie en durée. Hein? Des fois, on va vivre quelque chose en irritant, puis oh, on va passer là, rapidement à autre chose. Des fois, ben, on va traîner ça, on va ruminer de toute la journée. Et ça, ben, c'est tannant parce que si je passe ma journée à ruminer, ben, je vis de l'inconfort toute la journée. Puis, c'est un peu le principe du verre d'eau. Hein? Mon verre d'eau, là, il est déjà, il se remplit déjà. Donc, à la moindre petite chose qui se rajoute, des fois, ben, ça peut être suffisant pour que ça explose. La colère, ça signale une insatisfaction. Donc, ça nous parle de nous. Hein, ça nous parle d'une valeur, d'un besoin, d'une attente qu'on a qui n'a pas été comblée. Donc, c'est un peu le reflet de ce qui est important pour nous. Hein, c'est un miroir. Fait que c'est important de ne pas refouler cette émotion-là parce que la colère, ça nous parle beaucoup de nous. Et c'est un signal pour autrui. Hein, quand on est en colère, ben, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand l'autre est en colère, ben, on voit qu'il y a une limite qui a été transgressée. Hein, il y a quelque chose chez l'autre qui a été atteint. Donc, ça nous parle aussi beaucoup de l'autre. La différence qu'il faut faire avec l'agressivité, bien, l'agressivité, c'est un comportement. C'est comment on va réagir négativement par rapport à notre colère. Donc, l'agressivité, c'est un choix. Hein? C'est pas inné de devenir agressif quand on est en colère. On a toujours le choix de se calmer, de prendre le temps de réfléchir plutôt que d'avoir un comportement qui pourrait être agressif. Hein, ça peut être une parole, ça peut être un geste. Donc, c'est une prise de contrôle, en fait. C'est pas une perte de contrôle. Et évidemment, ben, c'est inacceptable. Donc, on a toujours le choix, quand on fait la colère, ben, de se dire, OK, j'applique des stratégies, je vais gérer cette émotion-là de façon saine, de façon acceptable. Ou on peut faire le choix d'opter pour un comportement qui va être agressif, puis à ce moment-là, ben, il va y avoir des conséquences. L'affirmation, ben, qu'est-ce que c'est? C'est quand on exprime nos besoins, nos limites, hein, nos attentes, mais dans le respect d'autrui. Donc, c'est sûr que si je m'affirme, ben, je suis moins sujet à l'explosion de colère parce que je nomme au fur et à mesure mes irritants, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui ne fait pas mon affaire. Puis c'est un comportement qui est positif aussi dans la résolution de conflits. Hein? Donc, s'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, ben, d'être capable de le nommer calmement, d'être à la recherche de solutions, ben, ça va être positif pour régler un conflit. À l'inverse, quand on est passif, ben, c'est qu'on ne dit rien. Hein? On accumule. Et là, quand on nomme pas nos irritants, nos frustrations, ben, on se sent pas bien. Donc, on risque d'être plus anxieux, on peut se victimiser aussi. Ça, c'est avoir l'impression qu'on n'a pas de pouvoir sur notre vie. C'est sûr, parce que quand on nomme pas nos irritants, ben, les autres peuvent pas s'ajuster à notre réalité. Ça peut nous rendre dépressifs aussi quand on accumule notre colère, notre frustration. Parce que ça crée un mal-être. On est pris avec cette émotion-là à l'intérieur de nous. Et la passivité, ben, c'est le principe du verre d'eau. Hein. Si je suis passif, je dis rien, j'accumule, ben, à un moment donné, qu'est-ce qui risque de se passer? Ben, c'est que j'explose. Donc, c'est ça la différence qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec la colère? Hein? C'est pas de ne plus ressentir de colère. Ça, c'est impossible. La colère, c'est une émotion qui fait partie de nos vies. Hein? On vit tous de la colère. Par rapport à certaines situations. Donc, la colère, il faut être capable de bien la canaliser, il faut être capable de l'affirmer sainement pour éviter de tomber justement dans des comportements agressifs ou dans de la passivité. C'est-à-dire que là, on ne fait rien, on ne dit rien, puis à un moment donné, ben, on explose. On va regarder rapidement comment une mauvaise estime de soi, ça peut mener à la colère. Hein, donc, une mauvaise estime de soi, c'est quand on a pas beaucoup d'amour propre, on a la difficulté à s'affirmer, on ne donne pas le droit de donner notre opinion, de faire valoir nos besoins, nos limites, nos points de vue. Donc, souvent, quelqu'un qui a une très mauvaise estime de soi, ben, va avoir de la difficulté à exprimer ses sentiments et ses besoins. Et si on ne s'exprime pas, ben, les autres ne peuvent pas deviner. Hein, c'est quoi nos attentes, nos limites, nos besoins. Donc, c'est à nous de les nommer. Et si on ne les nomme pas, ben, on accumule. Donc, c'est propice à l'accumulation de la colère. Donc, c'est sûr que si j'ai une mauvaise estime de moi et que je m'exprime pas, ben, à un moment donné, c'est que j'accumule de la colère. Et si j'ai une mauvaise estime de moi, ben, souvent, c'est des gens qui vont se sentir incompétents, qui vont se sentir facilement jugés, sur la défensive, ils vont se sentir facilement critiqués par les autres, alors que souvent, la critique va être très constructive, ils vont avoir beaucoup de difficultés avec la critique. Donc, qu'est-ce que ça amène? Tous ces états d'âme-là, ben, ça amène donc l'insatisfaction. Donc, la clé, en fait, hein, c'est de quand on pense qu'on a un problème de soi, d'estime de soi, qui engendre la colère, mais c'est de travailler notre estime de soi. C'est de se donner le droit d'exprimer calmement ses besoins, ses attentes, ses limites, ses émotions. C'est de travailler aussi la confiance en soi. C'est de cesser de douter de ses compétences. Donc, il est possible d'aller chercher du support là, si on pense là, que notre estime de soi là, est déficiente puis qu'on aurait tout avantage là, à travailler ça. Pourquoi on se met en colère? Hein? Ben, c'est sûr que là, vous allez me dire, ben, on a tous nos situations, hein? Que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, l'éducation des enfants, le couple. Là, ben, on est aux prises avec la pandémie de la COVID, hein? Faire la file, attendre, bon, des choses comme ça, c'est tout des irritants. Il y a plusieurs choses qui expliquent pourquoi on se met en colère. Hein, mais souvent, c'est parce qu'on va se sentir menacé hein, par rapport à une personne, une chose, une idée qui compte pour nous. Donc, une perception hein, d'attaque. Parce que aussi, nos attentes, nos besoins, on avait des attentes particulières, ça n'a pas été répondu. Par exemple, ça peut être que je pensais avoir une promotion puis je ne l'ai pas eu. Donc, mon besoin, mon attente n'a pas été satisfaite et ça provoque la colère. Ça peut être aussi parce que nos objectifs n'ont pas été atteints. Hein, on se fixe des objectifs, on n'y arrive pas pour X raisons et là, ça crée de la frustration. Ça peut être aussi parce qu'on se sent blessé, on se sent embarrassé, on se sent humilié,
dans une situation. Ça peut être parce qu'on se sent attaqué personnellement par une parole, par un geste, mentalement, ou ça peut être physiquement aussi. Donc, évidemment, on a tous nos situations qui nous font vivre la colère. Hein? Puis c'est important, en gestion de la colère, ben, de bien les identifier, ces situations-là. C'est souvent les mêmes situations qui reviennent. Hein? Donc, important de bien déterminer c'est quoi les... ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en gestion de la colère, hein? D'identifier dans mon quotidien, c'est quoi les situations que je vis qui reviennent souvent et qui me font vivre la colère. Alors, c'est vraiment la première étape, c'est d'identifier nos situations. On va regarder le rôle de la colère. Parce que souvent, on voit la colère, comme je disais, comme quelque chose de négatif. Mais en fait, la colère, ça peut être très, très positif si c'est bien géré. Donc, une colère qui est constructive, en fait, ça nous permet de persévérer. Hein? Donc, ça nous donne de l'énergie. Parce que quand on est en colère, ben, on sécrète du cortisol, de l'adrénaline, des hormones de stress, et ça, ça nous donne de l'énergie. Ça nous permet d'activer des ressources psychologiques comme le sentiment de détermination, puis aussi face à la peur, hein, ça peut être très positif. Si je me fais attaquer dans la rue, je vais réagir par la colère, et ça va me permettre là, de réagir de façon là, constructive et d'essayer de me protéger par rapport à une agression. La colère, ça protège notre estime de soi parce que, comme je le disais, ben, la colère, ça nous parle de nous, hein, de nos valeurs, de nos besoins, de nos objectifs qui n'ont pas été atteints. Donc, c'est vraiment un reflet. Quand quelque chose me dérange, quand quelque chose me met en colère, ben, ça me parle de moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important pour moi puis qui a été là, en confrontation. Donc, ça, c'est un reflet de nous-mêmes. Ça nous donne de l'énergie aussi, la colère, comme je disais, parce qu'il y a des hormones là, qui sont sécrétées là, quand on est en colère. Hein, on le sent. Quand on vit une grande colère, là, on se sent là, bourré d'adrénaline. Donc, cette énergie-là, si elle est bien canalisée, bien, elle peut être tout à fait constructive. En quoi ça peut être destructif? Bien, souvent, ça, c'est plus facile de le saisir parce qu'on se dit « Ah, ben moi, j'ai pas bien géré ma colère, puis ça m'amène toutes sortes de problèmes. » C'est négatif si ça amène un comportement agressif. Hein? Si je me mets à crier, à monter le ton, ou à avoir un geste qui peut être agressif. C'est négatif si je rumine. Parce que si je rumine, ça veut dire que je ne suis pas capable d'exprimer adéquatement ma colère. Fait que je reste pris avec ça. Puis, c'est très désagréable de rester pris avec notre sentiment de colère. Ou à l'inverse, ben, ça peut amener de la passivité. C'est-à-dire qu'on refoule et on se sent mal dans notre peau. Ça peut nuire aux relations interpersonnelles, hein, c'est sûr. Si je ne suis pas capable de bien gérer ma colère puis que je monte le ton, puis que j'ai des gestes qui sont répréhensibles, ben les autres vont avoir une mauvaise opinion de moi-même, puis ne voudront plus être en relation là, avec moi. Ça va créer des conflits. La colère, ça peut déclencher aussi d'autres sentiments de détresse, hein, comme la tristesse, la déception. C'est-à-dire qu'on va le voir tantôt, sous la colère, il peut y avoir beaucoup d'autres émotions en lien avec ça, dont on n'est pas toujours conscient. Hein? Par exemple, si mon garçon frappe le petit voisin, ben, je vais être en colère, mais si je regarde un petit peu plus loin, ben, je vais vivre d'autres émotions aussi. Je vais être déçue, je peux être inquiète de son comportement, je peux avoir honte. Donc, très souvent, sous la colère, là, il y a d'autres émotions là, qui sont cachées et dont on n'est pas toujours conscient. Une colère qui n'est pas bien gérée, ça peut entraîner la perte d'estime d'autrui. Hein? Si je suis toujours en train de pogner les nerfs et de réagir de façon inadéquate, ben, les gens, à un moment donné, vont se dire « ben là, elle, on ne peut pas rien dire. Hein? » Donc, les gens nous estiment moins. Puis ça va affecter aussi notre estime de soi. Parce qu'on ne se sent pas fier de nous si on gère mal notre colère. Hein? Si je me mets à crier, si je me mets à chanter des bêtises à quelqu'un, souvent, après, ben, je vais me sentir mal. Je vais regretter, je vais me sentir coupable, je vais avoir honte.
Donc, tout ça, c'est très néfaste pour l'estime de soi. Et trop de colère, sans rentrer trop dans les détails, bien, ça peut nuire à notre santé physique et à notre santé mentale. Pourquoi? Bien, parce que la colère, on sécrète des hormones. Hein? On sécrète le cortisol, l'adrénaline. Puis ces hormones-là, quand elles sont trop sollicitées, bien, ça amène à un excès de stress dans le corps. Donc, ça peut amener à de l'anxiété, à de la fatigue, à de l'insomnie. Tu sais, quand on se couche et qu'on est en colère, puis qu'on rumine dans notre lit, ben on a de la misère à dormir. Hein? Donc c'est des problématiques là, qui peuvent être associées là, à une mauvaise gestion de la colère. On va regarder qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui explique qu'une personne va réagir d'une façon colérique à une situation, puis l'autre non. Hein? Qu'est-ce qui fait que on met deux personnes dans une même situation? Tu as quelqu'un qui va être très en colère, qui va réagir par la colère, puis l'autre va rester calme. Hein? Donc, il y a plusieurs réponses à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, on est tous différents. Hein? On ne réagit pas tous aux mêmes situations. Mais ce qui est notre dénominateur commun, bien, c'est nos pensées. En fait, ce qui va déclencher la colère, c'est pas tant la situation comme telle, mais c'est qu'est-ce qu'on se dit quand cette situation-là nous arrive. Donc, c'est notre discours intérieur, c'est nos pensées, c'est nos perceptions. C'est ça qui déclenche la colère chez quelqu'un. Parce que tu peux mettre deux personnes dans une même situation, tu as quelqu'un qui va réagir calmement, puis tu as l'autre personne qui va être complètement désorganisée. Donc, tout se joue au niveau de notre discours interne, c'est-à-dire nos pensées. Hein, donc, on voit ici le cycle, là, qu'est-ce qui va déclencher la colère. Par exemple, hein, si la situation, c'est bon, mon superviseur vient me voir, il est 4h moins quart, puis il me demande une tâche à dernière minute. Donc, ça, c'est la situation. Ma perception de la situation, si je me dis, c'est plate, mais c'est ça, j'ai pas le choix. Ça fait partie de mon travail, des fois, d'avoir des choses à la dernière minute. Donc, à ce moment-là, j'ai ce qu'on appelle une pensée positive, hein, une pensée calmante, qu'on appelle aussi une pensée d'adaptation. Donc, ce discours-là entraîne des sensations physiques. Hein. Je vais peut-être être stressée parce qu'il est 4h moins quart, mais je vais rester calme. Je vais essayer de rester calme parce que je me dis, bon, ben regarde, t'as pas le choix. Ça fait partie des tâches. Donc, je vais être beaucoup plus en contrôle de mon émotion puis au niveau de mon comportement. Si je reprends la même situation, mon superviseur vient me voir à la dernière minute puis qui me dit, ben là, il faut que tu me fasses ça d'ici à 4h30. Si à l'inverse, si au lieu d'avoir une pensée calmante, hein, j'ai ce qu'on appelle une pensée de déclenchement. Une pensée de déclenchement, c'est une pensée qui va déclencher. Ça le dit, ça déclenche la colère. Donc, si je me dis, ah, oh, ça m'énerve, il est toujours à dernière minute, ou c'est toujours moi qui se ramasse avec ça, bien là, on voit là, que c'est, en fait, c'est pas tant la situation, mais c'est vraiment la pensée qui va déclencher la colère. Donc là, dans mon corps, je vais me sentir tendue, je vais ressentir de la colère, de la frustration. Puis, bien, ces émotions-là risquent de faire en sorte que je vais peut-être être moins concentré, beaucoup moins focus pour produire là, la tâche en question. Donc, tout se joue au niveau de nos perceptions. En fait, ce qu'il faut retenir, hein, ce qui est vraiment la clé, c'est de se dire, ben, c'est pas la situation, c'est pas les autres, c'est pas les événements qui déclenchent la colère. C'est nos pensées. C'est toujours qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'une situation arrive. Hein, il y a toujours une pensée qui vient avec ça. On est des êtres de réflexion, donc des pensées, on en a là, plusieurs sans fin là, à tous les jours. Donc, c'est la pensée qui déclenche la colère. Si je suis en contrôle, ben, ça veut dire que j'ai une pensée qui est positive, une pensée d'adaptation. Si à l'inverse, je suis en colère, ben, ça veut dire que j'ai eu une pensée de déclenchement. Hein, donc, c'est la pensée qui déclenche la colère, c'est pas la situation. Donc, ce qui est important en gestion de la colère, quand on vit de la colère, bien, c'est d'apprendre à les identifier, nos pensées.
Je vis une situation qui me frustre. C'est quoi ma pensée? Qu'est-ce que je pense de cette situation-là? Et c'est là qu'on voit, quand on est en colère, bien, qu'il y a une pensée de déclenchement. Donc, la pensée de déclenchement, elle nourrit notre colère. Des fois, elle va justifier des comportements qui sont inappropriés. Hein, par exemple, si je me dis, ben, j'ai crié, mais j'avais raison, il ne m'écoutait pas. Ou il ne comprenait pas. Donc, la pensée, comme on a vu, ben, elle va déclencher l'émotion et elle va amener une réaction physique là, dans notre corps. Donc, à l'inverse, hein, qu'est-ce qu'il faut faire quand on vit de la colère? C'est important, c'est d'avoir ce qu'on appelle des pensées d'adaptation. Hein, une pensée d'adaptation, c'est vraiment une pensée qui est calmante. C'est une pensée qui réduit l'émotion de la colère, qui nous permet de réagir calmement face à une situation stressante. Donc, ça peut être une pensée d'adaptation, ça peut être aussi banal que de se dire « calme-toi, il n'a pas fait exprès ». Ça ne donne rien de te mettre en colère, essaye de réagir calmement. Donc, ça, c'est toutes des pensées d'adaptation. En fait, c'est des pensées qui sont positives, qui nous permettent de prendre du recul, qui nous permettent de nous calmer. Donc, un outil essentiel en gestion de la colère, ça demeurera toujours d'apprendre à gérer nos pensées. Hein? Donc, quand on vit de la colère, première étape, c'est quoi que je me dis par rapport à la situation? Hein? Donc, identifier notre pensée de déclenchement, la pensée négative, puis essayer de se trouver une pensée positive, une pensée d'adaptation, c'est une pensée qui va nous permettre de nous calmer, qui va nous permettre de prendre du recul par rapport à la situation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la situation qui crée la colère, mais c'est vraiment notre perception, c'est vraiment nos pensées. Donc, il faut travailler nos pensées en gestion de la colère, c'est super important. Ça ici, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, en fait, ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg. Hein? Donc, les émotions dévastatrices qui se cachent sous la colère. Souvent, quand on est en colère, bien, ce qu'on ressent, c'est ça, hein? C'est la colère, la frustration. Puis quand on gratte un petit peu plus, quand on réfléchit un petit peu plus, ben on se rend compte qu'il n'y a pas juste la colère qu'on ressent. Hein? Donc, les émotions, il y en a bien d'autres là, qui peuvent se cacher sous la colère. Par exemple, si je n'ai pas eu la promotion que je voulais, ben oui, je vais être en colère. Mais je peux vivre aussi de la peine. Je peux me sentir rejetée. Je peux me sentir déçue. Je peux être jaloux parce que les autres l'ont eu puis pas moi. Hein? Donc, ce qu'il faut être conscient, c'est que oui, la colère, c'est l'émotion primaire, c'est l'émotion avec laquelle souvent on est le plus facilement en contact. Mais quand on cherche un petit peu plus, qu'est-ce qu'une situation nous fait vivre, bien souvent, il y a beaucoup plus que la colère. Hein? Donc, ça nous permet de mieux nous comprendre dans ce qu'on vit, de mettre le doigt sur les différentes émotions qu'on peut vivre là, par rapport à une situation. Donc, on va voir dans la prochaine diapositive, on appelle ça la montagne de la colère parce qu'on l'a illustré en fait visuellement avec une image de montagne. Donc, la montagne de la colère, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre corps? C'est quoi le cycle de l'escalade physique lorsqu'on vit de la colère? En fait, c'est la même réponse que la réponse quand on vit du stress. Hein? La réponse par le combat, la fuite, le figement, c'est-à-dire que ça amène une sécrétion d'hormones. La réaction de colère. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en colère? Notre corps est en mode réaction. Hein? Donc, c'est normal, c'est inscrit dans nos gènes. Hein? C'est une réaction normale parce qu'on sent qu'il y a une attaque à notre endroit. L'attaque est souvent plus psychologique que physique. Hein? Et qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, c'est que ça déclenche dans notre corps une poussée d'adrénaline. Puis d'autres hormones de stress comme le cortisol puis la noradrénaline. Et quand on vit de la colère, ben ces hormones-là vont avoir un impact énorme sur notre empathie. C'est-à-dire que plus la colère va monter, ben plus notre empathie
c'est notre capacité à se mettre à la place de l'autre. Bien, plus la colère monte, plus notre empathie abaisse. C'est-à-dire que quand on est en colère, souvent, on l'a tous déjà expérimenté, là, ben, on est moins en mesure d'écouter puis de comprendre le point de vue de l'autre puis de se mettre à sa place. Hein, on est en mode attaque, puis ce qu'on veut souvent, lorsqu'on vit la colère, ben, c'est avoir une réponse là, positive par rapport à notre perception, notre point de vue. Donc, ça va jouer beaucoup sur notre empathie puis notre sentiment de vulnérabilité parce que les hormones de stress là, nous amènent dans une espèce de sentiment là, de toute puissance. Donc, il y a une réaction qui est physiologique puis qui va affecter notre empathie et notre jugement. Donc, la montagne de la colère, ça a l'air compliqué, mais je vais vous le résumer là, simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc, on voit la flèche à gauche. Hein? Quand la colère monte, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça monte. Hein? Ça va atteindre un point de paroxysme là, où on voit là, la boule, là, la bombe. Et ça va affecter notre jugement. Donc, plus notre colère monte, plus notre jugement, notre capacité de réfléchir calmement, en fait, puis plus notre empathie, bien, ça va baisser. Donc, si on reprend ça à partir de la gauche, hein, donc le point 1, on voit qu'il y a un déclencheur. Un déclencheur, c'est n'importe quelle situation X là, où on va se sentir attaqué. Hein, puis là, bien, on va avoir là, nos fameuses pensées de déclenchement. Hein, donc, par exemple, la situation où mon superviseur me demande une tâche à la dernière minute, je vais avoir une pensée de déclenchement. Si je suis en colère, c'est parce que j'ai une pensée négative. Et j'essaie de l'identifier, cette pensée-là. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de me dire, oh, il me tape ses nerfs, oh, il n'est pas organisé, oh, il est toujours à la dernière minute, c'est toujours à moi qui demande ça. Ça, c'est différents exemples de pensées de déclenchement. Donc, aussitôt qu'on est conscient de notre discours intérieur, ben, il faut essayer de se trouver une pensée d'adaptation. C'est une pensée pour se calmer. Hein? Puis ça, ben, ça peut être n'importe quoi. Ça dépend de vous, ça dépend des situations. Ça peut être aussi banal que de se dire, il faut que je me calme, ça n'a pas de bon sens, là. Calme-toi, respire, c'est pas la fin du monde. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on n'applique pas de pensée d'adaptation, là, ben, notre colère, là, elle continue de monter, hein, parce qu'on sécrète des hormones. Un bon indicateur, c'est d'être capable de reconnaître nos signaux de colère. Hein, nos signaux de colère, là, c'est quoi? Mais c'est les signaux physiques que notre corps nous envoie quand on est en colère. Ça, ben, c'est important que vous preniez le temps de les identifier quand vous êtes en colère, parce que c'est un indicateur comme quoi c'est vraiment le temps de prendre une pause. Une pause, on va le voir tantôt, là, c'est quand il faut se retirer de la situation. Donc, les signaux, ça peut être que je sens mon rythme cardiaque qui monte, j'ai chaud, je me sens tendu dans mon corps, je sens que j'ai chaud. Donc, ça, c'est tous les signaux colères. Donc, ça, ces signaux-là, c'est un indicateur comme quoi c'est le temps de prendre une pause. Parce que vous voyez, là, où la bombe, là, si je ne prends pas de pause, bien là, la colère est à son maximum. Et c'est là où on va vivre ce qu'on appelle la crise, la fameuse crise de colère. C'est-à-dire qu'on perd le contrôle, on n'est plus en mesure là, d'être empathique. Puis notre jugement, là, ben on voit là, la ligne du bas, là, comment la courbe là, va descendre. C'est-à-dire qu'à ce point-là, ben, notre jugement, notre empathie va baisser. Donc, on perd notre jugement. Quand la colère est trop forte, on n'est pas en mesure d'écouter. On peut avoir une parole ou un geste qui va être agressif. Ça peut être la violence. Ça peut être là qu'on va crier, qu'on va donner un coup dans le mur, qu'on va pleurer, qu'on va manquer de respect à l'autre personne. Par la suite, on voit hein, la colère baisse un peu. Hein, et c'est ce qu'on appelle la période d'apaisement. Donc, après une grande colère, souvent, on va ressentir une grande fatigue. Donc, ça, c'est vraiment là, en lien là, avec les hormones qu'on a sécrétées. Et là, ben, on voit là, que le jugement va revenir tranquillement. Et là, on regarde qu'est-ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on vient de dire.
Puis c'est souvent là ben, qu'on va se sentir honteux puis qu'on va se sentir coupable. Hein, on va se dire, oh merde, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, ça n'a pas de bon sens, j'ai mal réagi. Donc, ça peut amener la dépression. Hein, par la suite, ça va amener une période qu'on dit de dépression où on va se sentir épuisé, où on va se sentir triste si on a mal réagi, où on va avoir des regrets. Donc, par la suite, ben, c'est sûr qu'il faut agir. Hein. Si on a mal agi, ben, faut aller s'excuser, il faut aller réparer notre tort. Si on gère mal notre colère encore, ben là, on recommence. Hein. On se réalimente dans le conflit avec l'autre personne, puis c'est le déclenchement de la colère qui repart. Donc, grossièrement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette image-là? C'est, vous voyez, plus la colère monte, plus notre empathie, plus notre jugement est affecté. Donc, quand on ressent des signaux de colère dans notre corps, c'est important de prendre une pause. De prendre la pause parce que quand on ne prend pas de pause, ben, par la suite, c'est la crise. Et là, on va avoir un comportement, une attitude là, qui va être répréhensible. Il y a des moments qui sont propices à l'irritabilité, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui vont venir augmenter notre sentiment de colère. Hein, donc, le stress. Quand on est stressé, on est tendu, on est irritable, on réagit plus promptement à des situations. Hein, parce que c'est comme si notre verre d'eau, là, il est déjà rempli là, de toutes sortes de choses qui nous font vivre du stress. Fait que rajoute un autre irritant, ben, la colère va se déclencher un petit peu plus rapidement. Quand on est fatigué aussi, hein, souvent on est plus irritable, on a moins de patience. Quand on a faim, hein, il y a des gens que ça va les affecter beaucoup. Quand on a faim, on est plus irritable. Quand il y a un environnement qui est désagréable, hein, on a vécu des gros moments de canicule, souvent ça peut nous rendre plus irritable. Quand on a peur, c'est sûr, on se sent attaqué, donc ça va déclencher la colère. Quand on vit des changements importants, pourquoi? Ben parce que quand je vis un changement, ben, je sors de ma zone de confort. Donc, c'est sûr que c'est pas agréable. Hein? De sortir de ma zone de confort, ça nous rend irritable. On n'aime pas ça. Et quand on accumule des frustrations, hein, c'est sûr. Si j'accumule, ben, à un moment donné, le verre d'eau déborde. Des fois, ben, c'est parce que c'est tout le temps la même situation qui se fait. Là, ben, on vient exaspéré. On vient là à bout, comme on dit. Donc, ça, c'est des moments qui vont jouer sur notre seuil d'irritabilité. On va regarder quelques petits outils au niveau de la gestion de la colère. Donc, un outil qui est essentiel en gestion de la colère, comme je disais, quand on ressent là, les fameux signaux dans notre corps, ben, c'est d'apprendre à faire une pause. Hein? Donc, c'est important de reconnaître nos signaux de colère, puis de bien les identifier dans notre corps. Fait que quand on vit de la colère, ben, faut être capable de bien identifier là, ces signaux-là, qui peuvent là, être le rythme cardiaque qui augmente, des tensions, les joues chaudes, les mains moites, des points serrés. Donc, ça, c'est vraiment un indicateur comme de quoi c'est le temps de se retirer de la situation. On l'a vu, si on ne se retire pas, la colère continue de monter et là, c'est l'explosion, c'est la crise. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'on va faire des choses qu'on va réaliser. Donc, c'est important de se retirer, mais ce qui est important, ou avant de se retirer, ben, c'est de dire à l'autre, hein, exprimer son besoin de prendre une pause. Parce que si je suis dans une discussion, je me sens en colère, je me lève, je pars, ben là, l'autre personne va me dire qu'on est en colère. Je vais me dire, là, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Donc, il faut le nommer à l'autre, nous devons prendre une pause. Ce qui est important, c'est aussi que l'autre doit respecter nos besoins de prendre une pause. Parce que si je suis en conflit avec mon conjoint, que je dis, bon, ben moi, là, je suis en colère, j'ai besoin de prendre une pause, on va régler ça plus tard. Puis que lui, dans sa tête, c'est non, 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 il faut régler ça ici et maintenant. Ben là, à ce moment-là, ma colère
risque d'augmenter. Là. Donc, il faut que l'autre a aussi une part de responsabilité. C'est-à-dire que l'autre doit respecter notre besoin de prendre une pause. Donc, quand on prend une pause, c'est important de ne pas ruminer la colère. Hein? La pause, c'est pas fait pour penser à la situation, c'est pas fait pour préparer notre attaque, puis préparer qu'est-ce qu'on va dire à l'autre. La pause, c'est fait pour se détendre. Donc, c'est fait pour faire le vide, c'est fait pour vraiment le décrocher puis se vider l'esprit de la situation. Donc, il y en a qui vont aller prendre une marche, il y en a qui vont écouter de la musique, il y en a qui vont aller bricoler, il y en a qui vont faire n'importe quoi. En fait, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui va vous mettre en mode détente. C'est sûr que l'activité physique peut être bénéfique dans le sens que ça va libérer des tensions. Puis, en fait, ça peut amener une sécrétion là, au niveau des endorphines. Hein? Donc, il y a des gens qui vont utiliser, par exemple, la course quand ils sont en colère. Ça va leur permettre de se libérer du stress puis libérer des endorphines. Donc, pendant la pause, bien important de cesser de penser à la situation. Et ce qu'il faut faire, ben c'est sûr que pour y arriver, il faut se trouver des pensées positives. Hein? Si pendant ma pause, je me dis « Ah, il m'énerve, il n'a pas rapport, il veut toujours avoir raison, c'est pas vrai qu'il va avoir le dernier mot », mais là, ça, c'est pas des pensées d'adaptation. Ça, c'est des pensées de déclenchement. Fait qu'à l'inverse, il faut avoir des pensées d'adaptation. Pendant la pause, il faut se calmer. Fait qu'il faut avoir des pensées saines, des pensées positives. Je vais me calmer, respire, prendre le temps de décompresser. Ça ne vaut pas la peine de mettre en colère pour ça. Parce que quand on est calme, ben, à ce moment-là, on est capable d'évaluer la situation de notre client et trouver des solutions. Parce que quand on est en colère, comme ça, on sécrète de l'adrénaline et du cortisol. Et ça, malheureusement, ça vient nuire à notre client. Ça veut dire que notre jugement, il n'est pas bon, il est affecté. C'est pas là qu'on va être capable de trouver des solutions constructives. Donc, pendant la pause, il faut trouver des pensées calmantes. La pause, quand on vit une bonne montée de colère, là, ben, c'est pas un 5 minutes de pause qui va régler ça. Hein? Souvent, quand on a une bonne montée de colère, on dit qu'il faut prendre au minimum une heure de pause. Donc, c'est la durée que ça prend pour éliminer l'adrénaline qui est dans notre système. Donc, une bonne heure de pause, ça peut être plus aussi. Hein? Donc, c'est le temps que ça nous prend pour se calmer. Mais dites-vous que pour éliminer l'adrénaline et le cortisol, quand on a une bonne montée de colère, là, ça prend une heure là, pour évacuer ça de notre système. Donc, après la pause, évidemment, ben là, on est plus calme, hein? Donc on se sent plus en moyen, là, en capacité de retourner régler le problème. Donc c'est important de retourner régler le problème parce que sinon, ben, on met ça en dessous du tapis. Puis là, ben, c'est le principe du verre d'eau. Ben, on accumule, puis à un moment donné, ben, ça explose éventuellement. C'est important d'avoir des solutions qui vont être constructives, des solutions qui sont positives. Hein? On ne veut pas régler d'autres problèmes. On ne veut pas créer d'autres problèmes, pardon, on veut régler le problème. Donc, on est deux. Hein? Donc, il y a ma solution, mais il y a aussi la perception et les alternatives que l'autre propose. Fait que c'est de jouer dans tout ça, puis c'est d'essayer de s'entendre. Colère. Qui dit colère mal gérée dit souvent ça aboutit en conflit. Donc, c'est important de se questionner sur notre façon de régler les conflits. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'émotion est grande, bien évidemment, plus c'est difficile de gérer un conflit. Hein? Parce que plus on est émotif, bien plus l'émotion prend le dessus. Puis à ce moment-là, notre rationnel, notre capacité de réfléchir, bien est affectée. Puis c'est pas là qu'on a c'est pas sur le coup de la colère qu'on a les meilleures solutions. Donc, c'est important là, d'être conscient de ça. Il faut avoir l'intention réelle de résoudre le conflit. Hein? C'est-à-dire que si ce n'est pas important pour nous, ben, on risque de ne pas y accorder beaucoup d'importance. Fait qu'il faut se questionner.
ben, je risque d'y mettre les efforts. Puis, il faut être deux aussi. Hein? Si moi, je veux régler le conflit, puis que l'autre personne, elle s'en fout, elle n'est pas vraiment intéressée, ben, à ce moment-là, ça aboutira à rien. Il faut vraiment être les deux motivés là, à y mettre du sien, puis à essayer là, de trouver une issue qui va être favorable. Les règles de discussion, ben en fait, c'est pas compliqué. Quand on vit un conflit, la règle de base, c'est le respect. Hein? Donc, notre ton, les paroles utilisées, ça devrait toujours là, être la base. Et évidemment, ben, de se dire, quand le ton monte trop haut, quand on sent que ça dégénère, ben, c'est important de prendre une pause. Toujours clarifier c'est quoi le problème. Puis s'en tenir à ce problème-là. Parce que souvent, lorsqu'on vit un conflit avec quelqu'un, on a tendance à déterrer toutes les frustrations qu'on va vivre avec cette personne-là. Et ça, c'est très négatif parce qu'à un moment donné, ça devient trop lourd. Puis on s'en sort plus. Hein? Donc, on règle un problème à la fois. Ça, c'est super important. Les canaux de la communication, hein, on dit souvent, là, le langage non-verbal, à quel point là, ça peut être important, à quel point c'est révélateur, bien, vous voyez ici, quand on parle, quand on s'exprime, il y a 7% de notre langage qui va, qui est les mots utilisés. Hein? C'est-à-dire que ce que je dis, c'est les mots que j'utilise, bien, ça vaut pour 7% de ce qui va être français. Le gros de notre communication va se transmettre beaucoup par le langage corporel, le langage non-verbal. Ça, ça parle énormément. Donc, c'est 55% de notre communication qui va passer par le langage corporel, c'est-à-dire nos gestes, notre expression faciale, notre posture, tout ça, ça parle énormément. Puis finalement, ben ce qu'on appelle le paralangage, c'est-à-dire qu'il y a 38% de la communication qui est le paralangage, c'est-à-dire notre manière d'utiliser les mots, notre intonation. Hein? Si on parle fort, notre débit, si on parle rapidement, tout ça, ça parle beaucoup. Fait que dans un message, il y a beaucoup plus que les mots hein, qu'on utilise. Ça, il faut être conscient de ça. Hein? Par exemple, si quelqu'un me parle de quelque chose de super important, puis que je regarde mon cellulaire ou j'ai les bras croisés, ben ça, ça parle beaucoup de mon ouverture. Donc, c'est important d'être conscient de ce qu'on dégage. Savoir communiquer, donc quelques petits rappels, parce qu'évidemment, qui dit colère dit conflit. Donc, si on veut régler un conflit, ben il y a des attitudes positives à adopter au niveau de la communication. Premièrement, ben être affirmatif. Être affirmatif, ben, c'est de nommer nos besoins, nos attentes, nos limites. C'est de ne pas penser que l'autre va les deviner. Hein? Il n'y a pas personne qui peut lire là, dans la tête de personne. Donc, on ne peut pas deviner les besoins de l'autre. C'est notre responsabilité de les nommer. Faire attention à notre non-verbal. Hein? Comme on a vu, si je veux démontrer de l'ouverture, ben, il faut que j'aie une attitude physique qui démontre de l'ouverture. L'écoute, hein, l'écoute, c'est pas de préparer sa réponse. L'écoute, c'est vraiment d'écouter, d'entendre ce que l'autre a à dire. C'est pas de préparer ses arguments. Reformuler pour être sûr qu'on a bien compris. Hein, donc, si j'ai bien compris, donc ce que tu veux me dire, c'est ça. L'empathie, notre empathie, ben c'est sûr, si on vit un conflit, ben il faut être capable de se mettre à la place de l'autre. Parce que si on n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre, ben on ne comprend pas comment lui peut vivre la situation. Donc, se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre son point de vue, ça c'est super important. Donc, vérifier notre compréhension, si on n'est pas certain, hein, pour être sûr qu'on a bien cerné le point en question. Parler en jeu, ça on le dit souvent, mais pourquoi c'est important? Parce que quand on parle en jeu, on parle de nous. Hein, on exprime comment on sent, on exprime un besoin. Alors que le « tu » est très accusateur. Hein, par exemple, si c'est le bordel dans la maison, puis que j'arrive, puis je dis « ah, t'es juste un traîneux! » Hein, là, je suis en train de porter des accusations.
Hein, donc, l'autre va se sentir attaqué, va se fermer, puis va probablement contre-attaquer. Alors que si je parle en « je », hein, si je formule une demande, « j'aimerais que tu ranges des choses, j'aimerais que les choses soient rangées », ben, c'est beaucoup moins menaçant. Donc, c'est plus intéressant pour l'autre de s'ouvrir à un besoin qu'on a. Donc, parler de nous, parler en « je ». J'aimerais que… Donc, on formule une demande plutôt qu'une critique. Choisir le moment, donc le moment où les deux, on est prêts. Parce que c'est pas parce que moi, je veux régler un conflit là que l'autre va l'être prêt, puis prêt et dispo pour le faire. Fait qu'il faut attendre que les deux soient calmes, que les deux soient détendus. Choisir le lieu approprié, évidemment pas devant les enfants parce que ça crée de l'insécurité pour rien. Demeurer respectueux, évidemment, ça c'est la base hein, pour éviter l'escalade. Reconnaître ses torts, super important. Quand on a mal agi, ben, il faut être capable de réparer, il faut être capable de s'excuser, il faut être capable de nommer qu'est-ce qu'on a fait qui était inacceptable. Parce que ça démontre de l'ouverture, puis ça démontre de l'ouverture en fait là, à vouloir régler la situation. Prendre une pause, évidemment, quand on sent nos signaux de colère dans notre corps, c'est important de prendre une pause. Et quand vient le temps de trouver des solutions, ben il faut essayer là, de trouver une solution là, qui va dans laquelle les deux vont être confortables. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était vraiment juste une petite sensibilisation là, d'une cinquantaine de minutes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la colère, c'est une émotion. Donc, il ne faut pas s'attendre à jamais ressentir la colère. Hein, quand on veut travailler ça, l'idée, c'est pas de ne pas ressentir de la colère. L'idée, c'est de savoir comment la gérer. Donc, quand on ressent de la colère, c'est important d'identifier nos pensées. Hein? Donc, il faut se concentrer sur ce qu'on pense. On a vu, il y a des pensées de déclenchement, des pensées qui provoquent la colère. Il faut être capable de prendre une pause et d'identifier okay, qu'est-ce que je suis en train de me dire. Et être capable de trouver des pensées calmantes, c'est-à-dire des pensées d'adaptation. Donc, personne ne nous met en colère, hein? C'est pas les autres, c'est pas les situations, c'est vraiment nos pensées qui déclenchent la colère. Donc, la gestion des pensées, c'est un outil super important en gestion de la colère. Et la pause aussi va être un outil super important. Donc, quand on sent le signaux de colère dans notre corps, c'est important de nommer à l'autre notre besoin de prendre une pause. Prendre une pause qui est suffisamment longue. Dans notre pause, ils ont utilisé la pause pour se calmer. Donc, c'est pas un moment pour s'alimenter négativement envers l'autre. Et évidemment, de pouvoir pour communiquer positivement de la situation. Donc, voilà pour l'atelier. C'est sûr que c'est un petit résumé. C'est un atelier qui est donné là, dans les différentes bases. Donc, il y a moyen là, de s'inscrire là, éventuellement. Là, c'est un atelier qui va se donner, là, qui devrait se donner là, soit en ligne ou en personne. Donc, c'est important de se renseigner si jamais vous voulez en savoir plus là, dans votre base. Donc, les ressources. En terminant, les ressources, le programme d'aide aux membres des Forces canadiennes, la ligne directe canadienne sur le suicide, les infos sur la COVID, au niveau des inconduites sexuelles aussi, il y a une ressource, Jeunesse J'écoute, et le Centre des réponses administratives pour tout ce qui est là, des politiques. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions, c'est sûr qu'on a vu un sommaire là, de quelques petites informations là, sur la gestion de la colère, puis quelques stratégies. En fait, on a vu aujourd'hui là, les deux stratégies là, centrales, si on veut, là, dans le cours là, de la gestion de la colère. Donc, avant de terminer, je vais vous demander votre satisfaction. Donc, vous allez dans l'onglet sondage ou pool, donc à droite.
Je vais essayer, mais là j'ai de la difficulté. J'essaye de mettre la deuxième question. Donc, la question à répondre, en fait, le petit sondage, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui, ce petit atelier-là? Donc, j'estime que je peux mettre en pratique ce que j'ai appris aujourd'hui dans la vie quotidienne. Donc, vous cochez. Donc, en accord, fortement en désaccord. En désaccord, ni d'accord, ni en désaccord, d'accord ou tout à fait d'accord. Donc, prenez quelques instants pour répondre à cette question-là. Donc, voilà. Alors, c'est terminé. Pour ma part. Donc, je vais passer là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Puis, sachez que si jamais vous avez des besoins là, X au niveau de la gestion de la colère, les cours, on va voir là, à l'automne comment ça va reprendre. Là. Mais il y a moyen là, d'aller un petit peu plus loin là, dans d'autres sessions là, qui pourraient être offertes, là, offertes ultérieurement. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.